Eh bien bonjour à tous, c'est Aquabilou35 et on se retrouve pour une petite vidéo de la série Nage de l'Heure sur un leurre qui est très connu de chez Ilex, une petite créature en forme de scarabée ou d'araignée. Et vous l'avez sans doute reconnu, c'est le Woodlouse. Alors je vais vous présenter les montages et puis après je vous présenterai sa nage. On va dire, je vais essayer de vous montrer ce que voit le poisson d'en dessous la surface. Voilà. Donc au niveau du montage, je vais vous présenter deux montages. Deux alternatives de pêche qui vont vous permettre de faire deux animations différentes. La première, j'utilise principalement pour la perche, pour le chevesne et pour la truite. Et la deuxième va convenir pour le chevesne, pour la truite, mais on va aussi pouvoir prendre des perches avec vu que le leurre va descendre un petit peu dans l'eau. Alors, pour le montage, moi j'utilise des petits hameçons simples, vous voyez, pas trop lourds de manière à ne pas faire couler le leurre, mais assez fort de fer de manière à ce que la bouche du chevesne ne vienne pas vous ouvrir l'hameçon. Voilà. Un hameçon à œillet, pardon, ça va être beaucoup plus simple d'utilisation qu'un hameçon à palette parce que le nœud va être très rapide, c'est-à-dire qu'il vous suffit de faire un nœud palomar et votre montage est prêt. En revanche, au niveau du montage, je vous déconseille de mettre d'agrafe parce que les agrafes vont alourdir le leurre et ça va faire en plus un coude supplémentaire qui va retarder le ferrage, qui va donner un petit peu moins de contact avec le leurre. Et comme c'est vraiment une pêche au toc, c'est vraiment une pêche de réaction, la pêche avec ce leurre, vous avez besoin d'être directement en contact avec le leurre et donc avec le poisson. Alors pour le montage, tout simplement, vous avez deux montages principaux pour la façon de mettre l'hameçon. Donc soit vous piquez par-dessous le leurre et vous ressortez au-dessus du leurre, comme ceci. Montage très classique, qui va vous permettre en fait de lancer le leurre et d'effectuer des tirées de manière à ce que le leurre glisse sur l'eau et que les appendices, là, les petites pattes avec les petites boules qu'il a fassent des vibrations. Et deuxième possibilité, tout simplement, vous piquez d'un côté de la tête et vous ressortez de l'autre, comme ceci. Et ce montage en fait va permettre de pêcher en faisant faire des petits bonds au leurre, ce qui va imiter par exemple un petit insecte qui sauterait sur l'eau pour essayer d'échapper à une truite. Ça va faire une animation, on va dire, assez fuyante. Dans tous les cas, moi je vous conseille de piquer le leurre par la tête et de faire gaffe à ne pas percer la cavité qu'il peut y avoir dans le leurre, vu que si vous percez cette cavité, l'eau va rentrer plus facilement et le leurre va se mettre à couler après. Sachant que cette cavité est trouée, moi j'ai trouvé un deuxième montage qui va nous permettre en fait donc de pêcher des petites perches par exemple, du chevesne et de la truite, mais cette fois sous la surface. Parce qu'en fait, ce montage consiste à insérer dans le petit trou qu'il y a pour évacuer l'eau de la cavité à l'arrière du leurre, j'insère une petite tige en fait de fil à plomb. La tige, elle fait 1 cm, elle fait juste la taille du leurre. Et vous voyez, je la rentre à l'intérieur. Et comme ceci, je la dissimule complètement. Et le leurre va se mettre à couler. C'est-à-dire que je vais lancer le leurre, il va faire un ploc un petit peu plus bruyant à la surface. Et celui-ci, doucement, va descendre dans la couche d'eau et va émettre des vibrations avec les petites pattes qui bougent. Et quand vous allez tirer sur l'leurre, celui-ci va remonter comme un insecte qui serait tombé dans l'eau, qui aurait coulé parce que il flotte pas bien et qui se débattrait en fait pour remonter à la surface et échapper aux poissons, à ses prédateurs. Voilà. Donc c'est une autre alternative de montage. Là, ça demande, ça devient plus une pêche à vue, là ça devient vraiment une pêche au toc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment sentir la touche. C'est pas évident, faut pêcher avec des cannes quand même en ultra léger assez sensible. Mais après, ça va être à vous de jouer justement avec le poids que vous rajoutez. Par exemple, si vous rajoutez un tout petit peu de fil à plomb, vous pouvez réussir à faire flotter le leurre au début, à faire 2-3 tirées, et la cavité commence à se remplir et le leurre se met à couler. Et là, vous, cette fois, vous pêchez avec un leurre qui descend dans la couche d'eau. En revanche, si vous mettez beaucoup de plomb, le leurre il va tomber rapidement, il va faire beaucoup de bruit, il va attirer très rapidement le poisson et il va permettre de descendre jusqu'à 50 cm de profondeur relativement rapidement. Et là, vous pourrez effectuer des petites tirées en faisant remonter le leurre vers la surface. Voilà. Donc ça, c'est vraiment deux petites alternatives pour l'utilisation de cette petite créature. Il existe pas mal de coloris. Moi, j'ai choisi un coloris, on va dire, saumon pailleté noir. Pourquoi? Tout simplement parce que je voulais un coloris relativement discret vu que j'utilise ce leurre dans des eaux claires et dans des petits ruisseaux où le poisson est généralement craintif. Quand vous l'utilisez dans des eaux un petit peu plus foncées ou alors dans des cours d'eau un peu plus larges, vous pouvez choisir des coloris assez voyants de manière à ce que vous puissiez pêcher à vue tout en visualisant bien le leurre. Parce que l'important dans cette pêche, ça va être de voir le moment où le poisson va gober le leurre. Voilà.
Sauf si vous pêchez avec le petit bout de fil à plomb qui fait descendre le leurre. Là, ça sera vraiment avec la tresse que vous allez sentir la touche. Voilà. Donc, c'est tout pour la présentation du leurre. Maintenant, on va passer pour la nage, filmer sous l'eau. Allez, c'est parti!